Coucou à toutes, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous présenter ma collection de vernis. Donc je vais faire ça en plusieurs parties parce que c'est la cata sinon. Parce que j'ai beaucoup de vernis et parce que si la vidéo dure trop longtemps, ça va pas pouvoir. Enfin, quand je poste la vidéo, ça met erreur, nanana. Donc je vais faire ça en plusieurs parties. Donc, je vais commencer par la palette Urban Decay. Donc, je crois que vous avez déjà entendu parler dans ma vidéo mes cadeaux de Noël. Donc, désolée si vous me voyez flou, j'ai fait en mode focus. Hein. Donc, alors, il y a ces vernis-là. Donc, pour aller vite fait, je vais pas dire les noms et tout et tout. Si vous voulez savoir. Demandez-moi dans les commentaires combien il coûte et tout, je vais pas dire ça parce que ça va être trop long, donc demandez-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, je vous répondrai. Donc voilà. Alors déjà j'ai un taupe. Donc je montre juste la marque mais je vais pas dire ça c'est Gunmetal et tout sinon ça va être trop long. Donc voilà, c'est un taupe métallisé. Voilà. Ensuite, j'ai un marron métallisé. Voilà. Donc, des fois, je vais. Ça va exprès, je vais pas montrer les marques. Donc, c'est pour ça que je vous dis de demander en commentaire. Donc, un violet prune. Donc, je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. Voilà. Un rose. Un transparent avec plein de paillettes. Donc celui-là, il est galère à enlever. Et le dernier, c'est le vert. Donc cette palette, ça s'achète à Sephora. Hein. Je l'ai dit. Bref. Ensuite, on va passer au Kiko. Donc j'en ai que 3. Donc j'ai un jaune, un orange et un vert. Ensuite j'ai un OPI, donc c'est le vernis craquelé. Je vous ai fait une démonstration dans une vidéo. Voilà, c'est le grand format. Ensuite, j'ai deux vernis de chez Forever 21, donc un rouge-orange. Donc, dans la caméra, vous voyez rouge pétant, mais c'est pas rouge pétant. Et un vert. Voilà. Ensuite, j'ai plusieurs vernis H&M. Donc, j'ai un orange. Kaki, mais j'aime pas cette couleur. Je l'ai eu à mon anniversaire. Je hais cette couleur, elle est pas belle. Et une couleur que j'aime bien, rose, violet plutôt. Voilà. Et d'une autre collection, un rouge comme ça. Voilà. Donc j'ai plusieurs vernis H&M mais que je vais vous montrer au fur et à mesure parce que c'est pas dans la même boîte. Donc, voilà. Ensuite, donc avec cette couleur, le rouge orange de chez Forever 21, j'ai fait cette couleur. Donc avant il y avait du blanc. Et j'ai mélangé les deux couleurs. Ça a fait ça. Cette couleur, donc c'est un corail. Qui est très joli. Mais par contre il est très liquide parce que j'ai mis beaucoup de dissolvant. Mais tu mets 3-4 couches et puis c'est bon, ça fait l'affaire. Mais du moment qu'il sèche vite, ça va. Donc voilà. Ensuite d'autres vernis de chez Forever 21. Donc c'est des pinceaux liner. Donc
Je vais vous montrer les pinceaux parce qu'ils sont spéciaux. Voilà. Et puis c'est exactement le même pinceau pour cette couleur. C'est un bleu vert pailleté, plein de paillettes. Voilà. Ensuite, j'ai un vernis de chez Sephora rouge. Un vernis de chez H&M. Ouais, voilà. Donc avant j'en avais un rouge, mais je l'ai donné à Natalia, donc celle que vous avez vue dans la vidéo revue de ma crème ratée. Voilà, c'est un rose. Ensuite, donc ceux-là, ce ne sont pas des pinceaux liner, ce sont des pinceaux normaux. Voilà, un violet avec des reflets dorés et un corail avec des reflets bleus. Je sais pas si vous allez voir. Ensuite, j'ai un autre pinceau liner de chez Claire, donc que vous connaissez, je pense. Voilà, donc c'est un double fonction, on va dire. Voilà, donc un pour dessiner les dessins très précis et un pinceau comme celui-ci ou celui-ci, c'est pareil, pour faire des lignes ou des choses comme ça. Ensuite, un autre pinceau liner de chez Salomé qui est un rouge. Ensuite, trois vernis de chez H&M, donc un gris. Un bleu ciel très joli et un doré avec plein de paillettes qui est trop joli celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, j'ai plusieurs vernis Yves Rocher. Donc j'ai des luminelles et un kit French. Désolée. Voilà. Donc alors j'ai un rouge. Donc ce que je vous présente là maintenant, c'est des luminelles. Un rouge. Un bleu. Un doré, un gris et un violet avec des reflets dorés. Donc voilà, donc c'est tout pour les Yves Rocher luminelles. Donc ensuite j'ai encore des Yves Rocher mais c'était un kit French, donc ce ne sont pas des luminelles. Donc je trouve que les pots ils sont tout petits, c'est trop mignon. Par contre le transparent, il est super liquide. Donc, je les ai utilisés plusieurs fois. Et le rose, le rosé, il sent trop trop bon. Ça sent même pas le vernis, ça sent trop bon. Ça sent la rose en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un kit French, celui-là. Donc, voilà. Je vais faire la deuxième partie, enfin je vais faire tout le reste de vernis dans la deuxième partie. Donc voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu et je vous dis à la deuxième partie. Bye!